Aujourd'hui, votre édition du local vous propose une balade à 7 où l'espace Georges Brassens présente une rétrospective des amours discrètes de son plus célèbre chanteur. Voilà 15 ans que le village de Prugnan dans les Pyrénées-Orientales est coupé du monde. Pas de réseau de téléphonie mobile ni de débit internet. La construction d'un nouveau pylône à la fin du mois devrait mettre un terme à ce sentiment d'abandon. Mais avant cela, du street art pour redonner une seconde jeunesse à un collège dans la Sarthe, les élèves s'en sont donnés à cœur joie. Donkey Kong, Mario Bros ou Luigi, c'est leur univers que ces élèves de 3e ont choisi de représenter sur les murs du collège Bollé à Mulsanne. On n'avait jamais fait ça encore et puis je trouve que c'est une bonne idée pour rajeunir un peu le collège. C'est-à-dire ? Les murs, ils étaient un peu ils étaient tristes, quoi. Ils étaient vieux, donc c'est pas mal de rajouter de la couleur, tout ça. Durant toute l'année scolaire, ces collégiens ont travaillé avec leurs professeurs d'anglais, d'allemand et d'art plastique sur le street art. Objectif, mener un projet interdisciplinaire. En allemand, ils ont étudié des artistes, donc les artistes qui ont réalisé sur le mur de Berlin. On a aussi réalisé un voyage à Amsterdam où on a vu une exposition de Banksy. Moi, en art plastique, j'ai essayé vraiment d'être tout de suite dans l'action. Et puis que chaque élève trouve un artiste de référence par rapport à leur technique. Ça va les filles ? Oui. Si vous pourriez repasser aussi un petit peu de blanc là, oui, parce qu'il y a du noir qui a bavé et ça fait sale. Peinture, bombe ou collage, ces jeunes ont utilisé différentes techniques. Et pour les conseiller, deux artistes manceaux ont pris part à l'initiative. Vous pouvez même commencer à couper là, commencer à couper là-bas. J'ai ressenti l'énergie qu'il y avait. Il y avait plusieurs groupes qui travaillaient en autonomie sur différents projets. Les enfants étaient responsabilisés, ils étaient à fond dedans. Ça veut dire que quand même les cours étaient terminés, venir chercher leur matos pour continuer. Ces élèves partiront vers d'autres établissements l'année prochaine. Mais ce travail leur aura permis de laisser une trace de leur passage dans ce collège pour de longues années. Voilà 15 ans que le village de Prugnan dans les Pyrénées-Orientales est coupé du monde. Pas de réseau de téléphonie mobile ni de débit internet. La construction d'un nouveau pylône à la fin du mois devrait mettre un terme à ce sentiment d'abandon. Prugnan, 109 habitants, petit village paisible des Fenouillèdes, mais pratiquement coupé du monde. Car ici, le réseau de téléphonie mobile ne passe pas et le débit internet y est insuffisant. Bref, de quoi rendre fous les villageois. Les portables ne passent pas. Certains oui, mais beaucoup non. Pour avoir du téléphone portable, il faut monter au cimetière. Là-haut, ça marche, les morts ils sont bien connectés. Mais nous, non. À Prugnan, cela fait plus de 15 ans que la situation alimente les conversations. On n'est pas assez d'abonnés, on ne rapporte pas assez d'argent. Alors... Au fil des années, c'est un sentiment d'abandon qui s'est installé, qui complique le quotidien. Les gens laissent des messages ou ne laissent pas de messages. Bon, on perd des courses, on perd du travail, évidemment. Parce qu'après, quand même, on paie les forfaits, les factures, on les paie, quoi. Hein ? Réseau ou pas réseau, voilà. À la mairie, on connaît bien le problème et la municipalité a dû se battre pour se faire entendre. Dans quelques semaines, la situation devrait changer pour Prugnan. La construction d'un nouveau pylône de 25 mètres est prévue à la fin du mois de juin. Un projet mené par le SIDAP et financé par l'État et le Conseil départemental. Donc on va couvrir effectivement la commune, mais l'intérêt aussi d'un pylône aussi haut, c'est de couvrir l'ensemble, je dirais, des axes routiers qui mènent à la commune. Les axes de randonnée aussi, puisque nous sommes dans une commune relativement touristique. Si Prugnan est en bonne voie pour recevoir bientôt la 4G, l'amélioration du débit internet reste, lui, pour l'instant, en suspens. C'est le départ demain pour les Bike Trotters, engagés dans la lutte contre la sclérose en plaques. Les deux amis périgourdin s'aventurent 6 mois à travers l'Europe à vélo. Confidence pendant les derniers préparatifs. Ce n'est qu'un tout petit effort par rapport à ce qui les attend. 13 000 km en vélo, un parcours à travers toute l'Europe, la Suisse, les pays nordiques, la Pologne, la Roumanie, l'Italie, un véritable défi sportif. Niveau entraînement, on a bien enchaîné, on a fait quasiment 2 000 km avec les vélos. Donc voilà, on a hâte de partir maintenant. Samedi, ces deux amis prendront la route pour la bonne cause, la recherche contre la sclérose en plaques. Bonne continuation à vous et faites travailler vos cuisses. Je suis avec vous, bise. Sur leur site internet, où l'on pourra suivre leurs aventures, les messages de soutien affluent. Un appel aux dons est également lancé
Pour 10 km parcourus, 1 euro est espéré. Nous, l'objectif, c'est plus on fait de kilomètres, plus on veut sensibiliser les gens à contribuer à financer du coup ce projet contre la sclérose en plaques. Les deux périgourdins donneront régulièrement des nouvelles sur leur santé, mais aussi sur leur morale. Ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît, et puis maintenant on va se retrouver 6 mois sans se lâcher. Ça va être dur. Si tout roule, les bike trotteurs, comme ils se nomment, seront de retour la semaine de Noël. Enfin, la nouvelle scénographie de l'espace Georges Brassens fait la part belle aux relations du chanteur sétois avec les femmes. Celle qu'il appellera Poupchen et qui va être à ses côtés durant toute sa vie lui inspirera la non-demande en mariage. Je crois que j'ai rêvé. Vraiment, ça me paraît tellement incroyable, tellement fantastique qu'il m'a choisi pendant si longtemps. Document rare de Joa Hyman parlant de Georges Brassens, son homme. Celle qu'il surnommait affectueusement Poupchen, petite poupée, était née estonienne. Lui, le méditerranéen, trouvera en elle tout ce qu'il aimait chez les femmes. C'était un couple pas banal. Georges avait jeté les règles d'entrée, puisque c'est quelqu'un qui ne pouvait rien offrir quand il a connu Joa. Il était sans revenu, il n'avait rien. C'est Joa plutôt qui lui offrait quelque chose. Elle lui offrait un sandwich quand elle le voyait à ses rendez-vous. Poupchen a illuminé la vie du chanteur jusqu'au bout. Ils ne se marieront pourtant jamais, ne vivront pas sous le même toit, mais ne feront qu'un. Brassens et les femmes, tout un poème. Il avait un grand respect des femmes. Et en plus, il était très respectueux de la féminité. Et Joa incarnait parfaitement la féminité. C'était quelqu'un de très, très féminin, très coquette. Et Georges aimait beaucoup ça. Brassens doit beaucoup aux femmes de sa vie. Pour Poupchen, il écrira « La non-demande en mariage, hommage à un amour éternel ». De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense.